Eh bien, Wakatepe les amis, c'est Dark Magikarp. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois un petit peu spéciale, puisqu'il s'agit du 6e épisode de la rubrique Fais voir ta collègue. Et voilà, ça fait un petit moment que je n'en avais pas diffusé, puisque la période estivale a été un petit peu tronquée, on va dire, puisque voilà, c'était un petit peu moins facile de trouver des disponibilités, etc. Mais on reprend de plus belle en ce mois de septembre avec le 6e épisode consacré à l'univers, on va dire, épouvante, horreur, mais d'une thématique bien précise, puisqu'il s'agira d'un top 5 des objets, le top 5 des objets préférés de la saga Alien, de nos amis de chez Retro Station, à nos amis Kara et Ellie qui m'ont fait la joie d'accepter mon invitation, donc d'ores et déjà merci. Je vais découvrir la vidéo et pour tout vous dire, voilà, je vais pas vous mentir, je n'ai pas encore découvert la vidéo, je vais la découvrir juste après afin de vous faire un petit peu un point, hein, voilà, sur les objets qui ont été présentés, etc. et vous donner un petit peu mon avis et ma réaction. Voilà, le top 5 des objets aliens de nos amis Kara et Ellie qui sont des grands fans donc de cette saga là, donc on va voir ce qu'elles nous ont concocté, si on a de la figurine, du jeu vidéo, du steelbook peut-être aussi, on verra bien. Donc top au générique les amis et top à la vachette. Salut, moi c'est Kara. Moi c'est Ellie. Donc déjà on voulait remercier notre petit cinéphile préféré Mister Dark Magikarp. Voilà, arigato gozaimasu. Ouais, bon, faites pas attention à elle, c'est pas grave. Pour ce 6e numéro, fais voir ta collègue pour cette invitation qu'on a gentiment acceptée, parce qu'on est des filles gentilles, nous. Oui. Donc on va vous montrer 5 objets, voilà, qu'on a choisis d'une saga culte. Mais culte. Mais alors, cultissime. Mais voilà, c'est bon. On a compris. Oui, mais ils ont compris que c'était culte. Mais oui, c'est bon. Elle est culte. C'est bon. Elle est culte. Et il ne s'agit d'autre que de la saga Alien. Oui, culte. Donc en numéro 5, eh ben moi j'ai choisi. J'ai choisi quoi? J'ai choisi ça. Voilà. Un bouquin, voilà, de chez Huggin Muggin, qui s'appelle Alien, Genèse d'un mythe. Voilà, alors ça peut paraître bateau, mais ça l'est pas. Moi je trouve que c'est un magnifique livre. Huggin Muggin, beaucoup de gens connaissent, voilà, ils nous ont fait du Terminator, ils nous ont fait Ghostbusters. Retour vers le futur, oui, voilà. Même dans le jeu vidéo, ils nous ont fait du Tekken. Je sais qu'ils en ont fait plein. Ouais. Et donc Alien, ils en ont fait plusieurs. Et celui-ci, voilà, ça reste mon préféré parce que là, ça reprend vraiment de A à Z tout le premier film, en fait, le 8e passager. Et même l'avant-film, donc, qui vous explique comment ils ont posé les fondations, en fait, du film. Donc voilà, donc après, à l'intérieur, vous pouvez retrouver aussi des facsimilés. Donc je trouve ça très intéressant, les facsimilés, en fait, c'est des petits bonus où on peut retrouver par exemple des affiches de films, ouais, qui sont sortis à l'étranger comme au Japon par exemple. On va retrouver aussi des morceaux de script aussi. On va retrouver quoi, les storyboards, voilà, storyboards aussi que Ridley Scott a dessiné lui-même. Donc voilà, moi je trouve que c'est un livre magnifique. Donc voilà, un livre à posséder. Voilà, en numéro 4, on enchaîne avec cette petite figurine de chez NECA. Voilà, bon, c'est la reine alien, hein, tout le monde l'a reconnue. Non. Alors, en fait, il y en a eu 3 des figurines. Celle-ci, elle sort du deuxième, hein, c'était Alien le Retour. Oui. Il y en a une pour Alien la Résurrection aussi. Oui, la troisième, c'était pour Alien, c'était l'Alien rouge, une reine rouge qu'ils avaient fait pour le comics Alien Génocide. Voilà, c'est ça. Donc bon, après, ma petite reine, elle est articulée, hein. Bon, elle est en plastique, mais bon, NECA, ils font des bons produits. Mais même si elle est articulée en plastique, je trouve qu'elle trône bien dans la vitrine, hein. La reine, elle trône. Trône, reine, elle trône. C'est de la merde, c'est de la merde. Bref. Elle laisse tomber. Donc voilà, donc moi, je trouve que c'est une jolie pièce à avoir dans la collection. Pour ce troisième objet, moi, j'ai choisi un coffret collector. DVD Blu-ray. Collector. Tu me saoules. Collector. Arrête. Ce n'est autre que Alien Anthology Collector. Voilà. Donc Collector, vous aurez compris. Qui est sorti à 5000 exemplaires. Ouais, édition limitée. Petite édition illimitée. Illimitée. Voilà. Limité. Donc à l'intérieur, ben hop. On retrouve donc. Après, ils sont faits. Tout simple, mais après, fallait rentrer, hein, voilà, 10 petites galettes. Donc vous avez 4 Blu-ray, 4 DVD, et puis 2 making-of. Et puis 2 making-of à l'intérieur. Moi je le trouve sympa. Après ça reste... Sympa. Bon, c'est du plastique, hein, on va pas se... Oui, mais... Voilà.
s'allume. Attention. Oui. Bon là on voit pas super bien parce que dans le noir il s'allume. Voilà. Dans le noir il s'allume. Oui. Dans le noir on voit qu'il est allumé. Donc voilà. C'est bien. Donc ce petit coffret collector est un voilà, merci. Donc Alien Anthologie que j'apprécie énormément. Voilà, je le trouve même si c'est du plastique, je le trouve très joli, très réussi. Voilà pour ce numéro 2, on va continuer avec du lourd, mais du très lourd. Il s'agit puis, du Chest Buster. Ouais, il est lourd. Le voilà. Bon, alors cette pièce, c'est du Hollywood Collectible. Là, c'est encore une pièce limitée à 500 exemplaires. Ouais. Donc, on est très contente de l'avoir dans la collection, celle-ci. Après, franchement, Hollywood Collectible, ils font de très très belles pièces. Donc, il y a beaucoup de détails, etc. Vous avez fait le Facehugger aussi. Le Facehugger était sorti aussi, effectivement, dans la même gamme. Après, on vous invite d'ailleurs à aller sur leur site. Ils font de très très beaux produits. Et il n'y a dans pas que du Alien, franchement c'est Resident surtout Evil, Ghostbusters, du Rambo aussi, Rambo, ça peut intéresser, franchement, Rocking, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est vrai que cette pièce-là, on est contente de l'avoir parce que côté détail, c'est nickel. Ouais, ils ont fait du beau travail. Ouais. Et pour ce numéro 1, voilà, moi j'ai choisi un autre coffret. Très beau coffret. Collector, ouais. Qui se fait très collector. Rare maintenant pour le trouver celui-ci. Un collector qui nous avait sorti pour le 25e anniversaire. Ouais, 25e anniversaire. Et ce n'est autre que le buste. Ouais. Du Xenomorph. Ouais. Donc voilà, que je trouve magnifique. Juste magnifique. Ouais, il est superbe. Qui était vendu donc avec un coffret. Un coffret. Il était vendu avec un coffret. C'est bon, ça va. Un coffret. Il était vendu avec un coffret. Un coffret. Tu peux montrer le coffret. Tu seras mignonne. Hein. Je suis mignonne, alors je montre le coffret. Tu sers à quelque chose quand même. Voilà. Donc ça, le coffret. À l'intérieur, vous avez une dizaine de DVD. Voilà. Que du DVD, pas du Blu-ray, forcément. Et pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y en a deux. Elle en a deux dans les mains. Eh oui. Voilà, parce qu'à la base, j'avais celui-ci. Qui est très abîmé parce qu'il a vadrouillé, voilà. Il a été signé par plusieurs acteurs des films, en fait. Ouais. Et du coup, ça m'embêtait quand même qu'il soit abîmé. Donc, j'ai voulu m'en procurer... Un plus neuf. Un plus neuf. Donc, parce qu'effectivement, celui-ci est abîmé. Il est très abîmé, malheureusement. Il a vadrouillé, il est parti à l'étranger. Très bon état. Voilà. Donc, voilà, pour terminer, ce magnifique buste. Voilà, la pièce que je préfère le plus dans la collection. Voilà. Donc voilà, on a terminé. Merci encore à toi, notre cher petit Romain. Merci beaucoup. De nous avoir invités. Voilà, merci. Oui, c'était merci très gentil. Voilà, c'est très gentil de nous avoir invités, nous avoir fait confiance pour cette petite vidéo. On te fait des gros bisous. Et puis, pour les autres, on vous dit peut-être à bientôt. Et bien voilà, donc je m'étais trompé sur toute la ligne. Il n'y a pas de steelbook, pas de jeux vidéo, mais des pièces absolument extraordinaires. Là, j'ai été totalement subjugué, et voilà, je m'attendais à voir des choses très intéressantes de votre part, mais de voir ces bustes, ces figurines, ces statues dans des tailles absolument hors normes, et je me demande déjà comment vous avez fait pour placer tout ça dans votre pièce de collection. Ma préférée, bien évidemment, c'est la dernière, et je pense que vous avez fait exprès de la mettre en dernière, et ce fameux buste-là, qui est absolument extraordinaire, et dans une taille absolument hors norme, un format jamais vu pour moi, et je pensais pas que vous aviez ça dans la collection. Et j'ai bien aimé l'ouvrage aussi, voilà, puisque je suis un grand fan d'ouvrage de Huggin & Muggin, qui est un éditeur que j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai tout aimé, mais si je dois vraiment choisir, ça serait la première et la dernière pièce présentée. Donc en tout cas, merci à vous deux de nous avoir présenté tout ça, des objets qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et je savais que ça allait être le cas, donc c'est pour ça un petit peu aussi que je vous avais demandé une vidéo, voilà, une saga mythique, je pense qu'il touchera un petit peu les fans de jeux vidéo, les fans de pop culture en règle générale, et même les fans de cinéma, donc voilà, je pense que ça aura regroupé un petit peu tout le monde, et un florilège un petit peu de tout ce que j'aime à montrer sur la chaîne, donc un immense merci à vous. Les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner à Retro Station, et voilà nos amis Cara et Ellie qui ont une chaîne absolument passionnante, et que ce soit en termes d'épouvante horreur, de jeux rétro, voilà, d'anecdotes un petit peu diverses aussi sur la pop culture, voilà, je vous invite à aller voir leur chaîne, qui sera bien sûr disponible dans la description, et qui est vraiment, voilà, je pense, qui est faite pour vous, et voilà, tout simplement. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas dans l'avenir. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis, salut, salut !